2020. Hello la chaîne de box, ici Grace qui prend le contrôle de la chaîne pour vous présenter la box de ce mois-ci, de janvier 2020, de chez Beautiful Box. Est-ce qu'elle est pas trop belle cette box? Quand je l'ai reçue, j'ai fait waouh, celle-ci c'est sûr, je vais la garder. Elle est avec, vous savez, les nattes de bois là, comme ça, ou le set de table un peu, c'est un peu dans le même style. On se dit tout de suite, ça va être une box green, j'espère que je me trompe pas. On va voir les produits, mais en tout cas, elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. Je vais l'ouvrir tout de suite. En effet, c'est une box green. Je vous demande si j'ai un petit peu utilisé les produits avant, mais bon. Et d'ailleurs, je vais vous en parler du premier tout de suite parce que j'ai hâte de changer tout ça. Donc, c'est le mascara de chez Kana Eyes. Donc, c'est le mascara de chez Kana Eyes, le mascara volume et longueur. À l'huile de graines de chanvre, donc à 95% d'huile naturelle. Donc c'est un mascara qui est dit longueur et volume. Je vais vous mettre ici l'application. Et en même temps que je vous parle. Donc on est sur une brosse qui est assez rigide avec plein de picots. Qui va vraiment bien venir attraper les cils. Tous ceux du bas et ceux du haut. Et dépose une quantité de produit très raisonnable dessus. Néanmoins, je trouve que c'est pas du tout l'effet longueur et volume que j'apprécie. Je vais vous rapprocher un instant. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Donc sur l'œil de gauche, c'est l'œil sur lequel j'ai mis le mascara Kana Eyes à l'huile de chanvre. Là. Je sais pas si... Je pense que vous le voyez, c'est assez clair. Et d'ailleurs, on dirait qu'il y a un œil que j'ai maquillé, l'autre que j'ai oublié. Mais en fait, sur celui-ci, là où il y a le mascara que j'ai mis, l'autre, mon mascara habituel, on voit qu'en fait, il y a une vraie différence, un problème de volume, un problème de longueur. Celui que j'utilise d'habitude, c'est le Woo Wing de chez Rimmel, que j'adore, le Woo Wings d'ailleurs, de chez Rimmel, que j'adore vraiment. Et vous allez voir la différence à l'application, je vais l'appliquer. Voilà. Oh, je me sens mieux. Vous voyez l'effet vraiment de longueur? Ça, c'est un effet longueur. L'autre, je pense, donc celui de chez Kana Eyes, je pense que si vraiment vous avez vous avez déjà les cils longs, enfin vous avez déjà les cils longs, vous le savez, vous avez déjà un peu de volume, mais qu'il faut vraiment venir les attraper et juste les noircir, ça sera suffisant. Sinon, pour moi, c'est pas du tout le produit qui est bon pour celles qui veulent vraiment un effet volume, vraiment un effet long. Je sais pas trop à quoi ça sert l'huile de chanvre, mais je vous les mettrai là dans la barre d'infos, ou là sur la vidéo, si je trouve vraiment à quoi ça sert. Sinon, on me dit 95% de produits d'origine naturelle. Je le mets là parce que très souvent les mascaras que je déteste au début, je les adore après, donc je vais le réutiliser encore et encore. Peut-être qu'à force il va peut-être s'épaissir un peu, venir attraper un peu plus les cils, je ne sais pas, nous verrons. Ensuite, nous avons le gommage au chocolat et au chanvre. Apparemment c'est un peu le thème du truc, je savais pas, de la marque Mélusine Paris, que je ne connais pas du tout non plus. Et il a été... Et il est proposé avec le gant de chanvre, ça je trouve que c'est une trop bonne idée. Bravo vraiment Beautiful Box, parce qu'on a le gant pour venir exfolier et le produit exfoliant. D'ailleurs il est trop beau, il est tout doux d'un côté et bien sûr un peu plus rêche de l'autre côté. En coton et au chanvre aussi. Donc vraiment ça doit laisser la peau toute douce. Je vous dirai ce que j'en pense dans la barre d'infos quand je l'aurai testé. Pas tout de suite parce que j'ai encore plein de produits à tester entre temps. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Ah, mais j'avais pas tout lu la petite carte. En fait, il y avait deux côtés. J'avais vu que celui-ci. Et donc, en fait, il y a marqué cet exotique coffret en bambou vous dévoile les secrets du chanvre. Une plante d'exception pour une box beauté addictive à souhait. C'est un ingrédient pour mon miraculeux. Pour le plus grand plaisir des beauty addicts. Reconnu pour ses vertus apaisantes et hydratantes. L'huile de chanvre ne manquera pas de vous surprendre et de vous rendre totalement accro. Et ben, j'ai vraiment hâte de tester tout ça du coup. Je continue avec le produit suivant qui est un masque en tissu 20 minutes cannabis stavia. Ça j'ai trop hâte de le tester. Ça je pense que je vais le tester là ce week-end puisque avec le soleil que j'ai pris, ma face elle est toute sèche. Donc j'ai très très hâte de voir si ça va hydrater tout ça. Et là on a un petit code barre donc je vais scanner voir si... Vitamask 86 sur 100 chez Yuka. Il y a des PEG et du disodium EDTA. Après le reste, ça va. 86 sur 100, je suis très contente. Donc je vais l'utiliser, je pense, dès demain. Et pareil, de la marque Vitamask. Je vous mettrai dans la barre d'infos ce que j'en pense quand je l'aurai testé. On a de
La marque de la marque Super Stavia Wellness, que je ne connaissais pas non plus. On a ce petit baume super hydratant apparemment. Il sent bon, il est tout doux. Très agréable, pas collant. Il laisse pas un film désagréable sur la peau. J'en suis plutôt contente pour l'instant. Après, je vous en dirai un peu plus s'il y a vraiment quelque chose qui change. Mais c'est un très bon baume à lèvres. Voilà. Ah, il y a un code barre aussi. Je suis devenue une accro au scannage. Mais 100%. Hyper excellent. Bah voilà. Bah voilà. Pas besoin de dire plus, hein. Excellent. C'est pour ça que je le sens. Il a l'air très bien. Il hydrate bien. Je le passe depuis ce matin. Pour un peu retrouver mes lèvres d'avant soleil. Donc, je suis très contente. Très contente. Et ensuite, on a la poudre translucide matifiante et fixante de chez My. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ça me fait penser à la chanson My, 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 My. Donc voilà, je l'ai testée. Elle sent très très bon, elle a une très bonne odeur. Petit bémol, cependant, parce que je la trouve très bien pour l'instant. Elle est hyper desséchante. Par contre, elle fait un effet lumière qui est dingue. Même moi, sur ma peau noire, elle fonctionne très très bien. J'ai rien à dire. Par contre, elle est un petit peu desséchante. Donc si vous avez déjà le contour de l'œil qui est assez desséché, comme moi en ce moment, évitez de la mettre. Sinon, elle est très 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 bien. La poudre, par contre, elle est à 34%. Il y a de l'aluminium, de la cire microcristalline et du phénoxyéthanol. Et du dioxyde de titane. Ouh, c'est quand même beaucoup, là. Ouais. Bon. Apparemment, pas si green que ça. La peau. Bah écoutez, pour la Beautiful Box Bioféminin de ce mois-ci, je suis convaincue. Elle est au prix de 16,90€ et les produits qui sont dedans sont vraiment intéressants et me plaisent énormément. Je suis très intéressée par ces produits un peu plus green pour mon maquillage. Moi, c'est quelque chose que je recherche vraiment en ce moment. D'ailleurs, là, mon maquillage, c'est du green. C'est couleur caramel. Donc, je suis très contente d'avoir de découvrir des produits un peu plus green, un peu mieux pour ma peau, un peu mieux pour la planète en même temps. Ça me fait du bien de faire ça. La boîte, elle est vraiment excellente. Je trouve que Beautiful Box, ils font vraiment des box qui sont intéressantes. Moi, je reçois ça, je suis hyper contente, franchement. La box du mois de décembre, je sais pas si vous l'avez vue, je vous la mettrai dans le petit i. N'hésitez pas à aller voir, elle était aussi très belle, bien travaillée. Donc j'ai hâte vraiment de recevoir celle du mois de février. Et en tout cas, je vous la conseille. Voilà. Concrètement, les produits que j'ai utilisés sont toujours très bien. Donc. Sur ce, je crois que la vidéo est terminée. Je vous laisse passer une très bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et si vous voulez me rejoindre sur mes réseaux, ils sont aussi dans la barre d'infos. Je vous dis à très vite pour l'ouverture d'une prochaine box. Ciao!